À tout à l'heure, Boule. J'y vais, j'ai un rendez-vous pour le travail. Ok, papa. Vas-y, tu vas battre le record, Bill. Mais qu'est-ce que tu fais? C'est plus fort que pas faire gagner un chat. Là, t'exagères. Allez, tous les chats sont pas si méchants que ça. Au secours! Au secours, aidez-moi! Robin! Vite, dors! De pas toucher à Robin. Merci les amis. Alerte, intrus, alerte, intrus. Non mais tu vas laisser mon chat tranquille, sale cabot. Allez, allez, viens par là. Attaquer un pauvre chat sans aucune raison. Il est enragé, votre chien. Mais non, chère voisine, rassurez-vous. Bill est vacciné contre la rage. De toute façon, s'il avait la rage, il aurait de la bave partout. Mais oui, c'est ça, écoutez-moi bien. Si jamais votre chien revient mettre ses sales pattes dans mon jardin, j'appelle la fourrière. Est-ce que tout va bien, mon caporal? Ok, allez, on ne va pas prendre de risques. On va te faire vacciner. Oh, vacciner? J'ai vérifié dans le carnet de santé de Bill. On a raté son rappel de vaccin contre la rage. Bon, je suis vraiment en retard, là. J'ai appelé le vétérinaire. Tu as rendez-vous pour Bill dans une demi-heure. Allez, je file. Oh, il est passé où? Je veux pas qu'on me fasse un vaccin. Qu'est-ce que ça fait, un vaccin? Ça fait mal. Ah bon? Oui, c'est une piqûre qu'on te fait avec une aiguille grande comme ça. Mais c'est horrible. Ils sont cruels, ces humains. Ma dernière heure est peut-être arrivée. Adieu, Caroline. Attends, j'ai peut-être une idée. Le vétérinaire ne laissera jamais un chien dégoûtant rentrer dans son cabinet. Comment ça, un chien dégoûtant? J'ai pris un bain il y a 6 mois. Ouh, oui, j'ai compris. Il faut vacciner mon chat. C'est très urgent. Et quel vaccin vous voudriez lui faire? Tous les vaccins. Oh. Bill, Caro, on a le temps de faire une partie avant d'aller chez le vétérinaire. Voilà, voilà. Oh. Oh non, pourquoi tu es plein de terre? Le vétérinaire te prendra jamais comme ça. Dommage. Heureusement, il y a le salon de toilettage juste à côté. Tu vas aller te faire shampouiner avant ta piqûre. Oh, zut, j'avais pas pensé à ça. Ah ouais, tu préfères te laver ici alors? Bon, d'accord. Mais dépêche-toi, hein. Désolée, Boule, mais les chiens aussi ont droit à leur intimité. Oh. Dépêche-toi, on va être en retard au rendez-vous, Bill. J'ai presque fini. Bill,
Tu es un vrai génie. Pas de rendez-vous, pas de piqûre, pas de piqûre, pas de bobo. Un cupcake au goût savon. Burk. Ils s'en foutent, ces humains. Bill, faut vraiment qu'on y aille. Ah, oh non, Bill. Salut. Mais qu'est-ce qui t'arrive? Faut que je trouve une cachette. Non, pas ici. Si Caporal te voit, il va tout faire pour que tu te fasses repérer, c'est sûr. Caporal n'est pas là. Je l'ai vu partir tout à l'heure avec sa maîtresse. Alors dans ce cas, je connais la cachette idéale. Ah? Bill, t'es où? Bill! Vous avez vu Bill? Super, allez, venez, on va le chercher. Boule ne pensera jamais à me chercher ici. Ah, enfin tranquille. Décidément, ce vétérinaire ne connaît rien à rien. Pourquoi est-ce qu'il ne faudrait pas faire 12 vaccins d'un coup? Enfin, heureusement, on ne l'a pas écouté. Hein, Caporal? Alerte, intrus, alerte, intrus. Je le savais. Il a la rage. Bill! Bill! Oh là là, on va rater le rendez-vous. Wouhou! Youpi! T'as de la chance, Caroline. Les tortues n'ont pas besoin de vaccin. Alors que si Bill ne le fait pas, il pourrait attraper la rage, tu te rends compte? C'est quoi 2 secondes de piqûre comparé à une maladie mortelle? Oh, non, j'avais pas pensé à ça. Il faut qu'on annule notre plan. Surveille-le bien, mon caporal. J'appelle la fourrière. Ils vont s'occuper de lui pour de bon. Bouge pas, Bill. Attention, je t'ai à l'œil. Quoi? Je savais pas que t'avais du flair, toi aussi. T'as pas l'impression que t'en fais un peu trop? Non, mais il faut bien qu'on amène Boule jusqu'à chez Madame Stick, non? Bonjour, vous êtes bien à la fourrière. Allô? J'ai un chien enragé dans Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Bill, chez Madame Stick? Non, c'est impossible. T'imagines Bill chez son pire ennemi, toi? Si tu m'entends, fais quelque chose! Aïe! Ouais! Tous nos correspondants sont occupés. Veuillez ne pas quitter. Nous allons donner suite à votre appel. Tu sens le savon à la fraise? Arrière, malheureux! Ce chien est enragé! Mais non, Madame Stick, c'est de la mousse de savon. Oui, je m'en doutais. Il n'a pas la rage, il a mangé du savon. Bon, ça va pour cette fois, mais attention, je ne veux pas que ton chien remette une patte dans mon jardin, compris? Sinon, Caporal... Caporal? Il a peut-être attrapé la maladie du sommeil. Il va falloir que j'aille le faire vacciner.
Je suis sauvée. Juste à temps pour aller chez le vétérinaire. Oh, allez, Bill, tu sais que c'est pour ton bien. Ça va aller. Ça y est, c'est fini. Ça alors, j'y crois pas, j'ai rien senti du tout. Une aiguille grande comme ça, tu disais. Je te l'avais dit que c'était rien. Dire que t'avais peur d'une toute petite piqûre. Oui, bon, on a compris. Ah, je te cherchais, Boule. Dépêche-toi, faut qu'on y aille. Qu'on aille où? Oui, j'ai oublié de te dire, quand je cherchais le carnet de santé de Bill, je suis tombé sur le tien. Hein? On a loupé ton vaccin contre le tétanos, alors j'ai pris rendez-vous chez le médecin. Dans 5 minutes. Hein? Ah! Mais enfin, Boule!